Donc Mélanie Vogel, qui est une sénatrice des Français à l'étranger originaire de Marseille, membre d'Europe Écologie Les Verts. Elle a été élue sénatrice représentante des Français et Françaises établies hors de France en 2021, donc c'est relativement récent. Et en juin dernier, elle a été élue coprésidente du Parti Vert européen, dont elle faisait partie en fait déjà du comité de direction depuis novembre 2019. Mélanie Vogel, c'est un profil atypique au Sénat de par son positionnement écologiste, antiraciste et féministe. Petit rappel, petite question, petite anecdote, combien de membres du Sénat ont moins de 40 ans? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 7% ou est-ce que c'est 2%? À votre avis. Alors, je ne vois pas trop le chat, je ne sais pas. Ah, le chat, il vient de... 10%, 7% ou 2%? Pas assez, pas assez. Ouais, exactement. Donc oui, c'est bien 2%. 2% des membres du Sénat ont moins de 40 ans. Donc voilà, finalement, Mélanie Vogel est avant-gardiste dans tout ce positionnement-là. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as eu des nouvelles de toujours... Mélanie? Toujours pas là, mais on peut parler aussi qu'il y a un amendement, non, qui est très, très, très important, qui a été déposé par Mélanie dernièrement au Sénat. Voilà, c'est un amendement qui vise à. Bon, alors elle pourra nous en parler mieux, mais c'est un amendement qui vise à rapatrier les femmes qui désirent voilà, procéder à un IVG. Donc, on a une interruption volontaire de grossesse. Et donc, cela vise les femmes françaises établies hors de France, donc à l'étranger. Cela concerne. Enfin, il y aurait eu une enveloppe, en fait, pour ce. Cet amendement-là de 500 000 euros, si j'ai bien compris, pour permettre en fait aux femmes d'être rapatriées en France et d'effectuer un IVG sur le territoire français si elles viennent de pays où l'IVG est remis en question ou alors n'est pas légal. Donc c'est un amendement qui malheureusement a été rendu caduc par le dernier 49-3 qui est passé également au Sénat. Voilà, donc c'est. Quelque chose qui aurait pu, voilà, c'est une grande avancée qui aurait pu être faite à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, on se demande toujours comment vraiment appliquer la mesure, qui est aussi une mesure portée par l'Avenir en commun de constitutionnalisation du droit à l'IVG. Quand on est à l'étranger, c'est toujours di difficile et compliqué à appliquer, parce qu'il y a le droit local qui prime. Mais typiquement, cette mesure de rapatriement, c'était quelque chose qui était assez, je dirais, pratique ou optimale en fait pour des femmes qui habitent dans des pays tels que la Pologne sur notre circonscription, la Hongrie et même l'Allemagne jusqu'à récemment où le droit à l'IVG était quand même relativement compliqué à être garanti. Parce Voilà, qu'il y avait aussi une c'est. autre idée, Asma, qui était de plutôt de permettre de faire des avortements dans les ambassades, non? Voilà, et en fait, on se situe dans une zone grise au niveau du droit, c'est-à-dire que c'est une piste qui avait été déjà. Élaboré ou qui avait déjà été étudié par Mélanie Vogel et son équipe. Et finalement, en fait, on est dans une zone où comment on établit la situation du droit dans une ambassade ou dans une autre. Et c'est vrai que si le droit local interdit l'IVG ou le rend très compliqué pour des raisons gérées par le enfin législative enfin légale, c'est très compliqué de pouvoir avoir accès déjà à un médecin légal parce qu'il y a beaucoup d'ambassades qui n'ont plus ce statut-là parce qu'il y a eu pas mal de coupes aussi dans les budgets des ambassades, des consulats. Donc, par exemple, en Allemagne, il n'y a plus de médecins conseils depuis plusieurs années déjà. Et même quand il y en avait un, en fait, il est remis à son rôle de conseil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas procéder à des opérations. Donc, c'est quand même quelque chose qui remettait en question le droit universel à disposer de son corps en tant que femme et donc à procéder à une IVG si on considérait cela comme une option. C'est pour ça d'ailleurs que l'amendement de Mélanie Vogel était si important parce que c'est via le rapatriement des femmes qui désirent effectuer un IVG que l'IVG peut vraiment être constitutionnel parce qu'il sera aussi adaptable aux Françaises expatriées à l'étranger. Plus Alors, est, est-ce qu'on a des nouvelles il de y a beaucoup de pays Mélanie? qui sont, je veux dire, bon, qu'on est en Europe, on se dit, ah, peut-être on peut aller en voiture encore et tout, mais je veux dire, en Amérique latine, par exemple, il y a beaucoup de pays, le Nicaragua, c'est un des pays qui restreint le plus fort l'avortement. Donc, pour revenir de là-bas en France, c'est un peu plus compliqué, quoi, en plus.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, et puis surtout que ça permettrait, je dirais, il y a une notion aussi de justice sociale, c'est-à-dire que, il n'est pas normal que l'accès à l'IVG soit conditionné par les ressources financières. Donc, Ok, d'accord. Ah, je crois que j'ai entendu un petit clic au bon moment. Alors, ça bonjour va. Mélanie. Donc voilà. Salut, super. Un grand plaisir. Super. Alors, je vous Bonsoir laisse. Mélanie, merci beaucoup de... Voilà, excuse-nous pour les petites... voilà, les petits couacs techniques, c'est un peu le souci du direct. Mais en tout cas, voilà, on avait déjà commencé à te présenter un peu ton parcours et le fait que... Voilà, on a eu une petite devinette sur Tant le nombre mieux, je de connais, donc pourcentages... c'était bien si j'étais pas là. Voilà. Le nombre de pourcentage de personnes ayant moins de 40 ans au Sénat, et tu fais partie de ces 2%, donc bravo. Voilà, donc profil très atypique, comme on disait tout à l'heure. On a présenté déjà l'amendement qui a été porté donc par le fruit de ton travail, en fait, concernant le rapatriement des femmes, donc qui permettrait justement d'avoir une constitutionnalisation de l'IVG qui touche également les femmes expatriées, parce qu'on a toujours cette question de comment, en tant que femme expatriée, notamment dans notre circonscription d'Europe centrale, on a la Hongrie, on a la Pologne, récemment, Ouais. jusque peu, hein, l'Allemagne, qui était quand même très timide en termes d'informations sur l'IVG. Peut-être que tu peux, voilà, tu présenteras ça beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ton travail, enfin, voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, l'élément déclencheur de ce combat-là pour toi, et parce que je sais que tu y travailles depuis plusieurs années, voilà, je te laisse la parole par rapport à tout ça. Ok, ouais, pas de souci. Donc plutôt sur l'aspect français de l'étranger, là, sur l'affaire du. Ok. Donc en gros, bah, c'est vrai que moi, quand j'ai été élue, enfin même avant d'être élue, pendant qu'on construisait le programme, je m'étais dit que je voulais porter des combats comme sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, qui étaient. Bon, bien sûr, tous les sujets qu'on porte en tant qu'élu de gauche sur la question des services publics, etc., qu'on porte de toute façon, mais j'avais envie de porter des choses qui avaient peut-être été moins visibilisées, moins travaillées dans le fond voilà. Et la question du droit à l'avortement en faisait partie. Bon, c'est quelque chose qui, en tant que féministe, enfin, c'est un combat qui est très ancré en moi de façon générale. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est un combat universel. Moi, comme sénatrice des Français de l'étranger, j'ai envie d'essayer de porter ça aussi dans le cadre de ce mandat-là, pas seulement en France, mais aussi par rapport à la situation particulière des Françaises et des Français qui vivent à l'étranger. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler, donc, quand j'ai été élue, à une proposition de loi qui en fait agrège tout ce qu'on pourrait changer en droit français. Bon, parce que je fais la loi en France, voilà, on peut pas la faire, enfin, voilà. Donc c'est ça la limite. Mais tout ce qu'on pourrait changer en droit français qui pourrait participer à améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger pour les Françaises et les Français, mais pas seulement, aussi de façon générale ce que la France pourrait faire pour améliorer l'accès à l'avortement. Et en fait, on a compilé tout un tas de propositions. Alors ça va de choses très simples. Pour, par exemple, modifier la manière dont on délivre les ordonnances pour qu'on puisse se procurer à l'étranger quand le médicament est légal, même si peut-être dans ces conditions-là, il n'aurait pas été légal, mais si on a une ordonnance française qu'on peut obtenir en téléconsultation, eh bien, on peut l'obtenir, etc. Donc, tout un tas de modifications à la loi. Et il y avait notamment la question du rapatriement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est travailler sur une proposition de loi qui contient un peu tout ce qu'on pourrait faire, qui n'est pas encore terminée, parce que je la travaille aussi avec plusieurs auditions de personnes qui sont expertes de ça, d'ONG, dans les consulats, etc. Et en fait, ça fait que j'ai une espèce de base d'amendement que dès que j'ai l'occasion, je peux déposer sur ce sujet-là. Donc évidemment, au moment du budget et de la discussion sur la question de l'action extérieure de l'État, eh ben, ça faisait partie de ce que je pouvais déposer. Donc voilà, je l'ai sorti de mon chapeau d'amendement possible. Et ça a été adopté alors à
une ou deux voix au Sénat. Alors bon, la discussion n'est pas terminée avec les multiples 49-3 qu'on connaît, voilà. Mais voilà, donc c'est un peu l'histoire de ça. Et je pense que enfin pour moi, c'est le combat pour le droit à l'avortement et la lutte pour le droit à l'avortement, c'est un combat universel. Et je pense que en France, on a malgré tout une histoire vis-à-vis de ça et un état en fait aujourd'hui de la législation qui nous rend responsable de faire avancer ce droit dans le monde. Je pense que si on arrive, et je pense qu'on en parlera après, à l'inscrire dans la Constitution, c'est important pour les Françaises et les Français, mais c'est aussi important comme signal dans le monde de ce qu'on peut faire comme progrès. Et ça montre un chemin. Et le fait d'avoir un pays qui se dit avoir une diplomatie féministe, bon, très bien. Eh ben, ça fait partie de ce qu'on peut appeler une diplomatie féministe, si je veux dire, si on doit remplir ce concept de quelque chose. Pour moi, le fait d'avoir des actions concrètes qui permettent d'améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger, ça fait partie d'actions concrètes que la France pourrait faire si elle souhaite pouvoir se revendiquer d'une diplomatie féministe. Merci beaucoup. Tu parlais de responsabilité tout à l'heure. Alors moi, j'ai suivi comme depuis pas mal de temps différentes de tes interventions sur les chaînes télévision. Et on te pose souvent la question, ou alors on a souvent cette affirmation, mais l'accès à l'IVG ou l'accès à l'avortement en général en France n'est pas menacé, il y a d'autres priorités. Alors moi, je connais déjà ta réponse sur cette question-là, mais est-ce que tu veux peut-être voilà, la dévoiler aux autres personnes? Ouais. Non, mais il y a plusieurs dimensions à cette question. Bon, la première chose, c'est que le droit à l'avortement, il n'est jamais acquis. Comme tous les acquis féministes, il peut toujours être menacé, et on le sait très bien, et on le voit dans le monde. Je veux dire, avant qu'il soit menacé, il ne l'est pas, et puis un jour il l'est, et là c'est trop tard. Donc, par définition, on ne peut jamais considérer qu'aucun des acquis liés aux droits des femmes est sécurisé et qu'on peut se reposer sur nos lauriers. La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit à l'avortement en France, si on le compare à l'Allemagne, par exemple, ou à la Belgique, je vis, ou à d'autres pays proches, ou à l'Italie, c'est vrai qu'on peut avorter en France, on n'a plus de clause de détresse à devoir démontrer, on a 14 semaines, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale, on a le délit d'entrave, donc on a quand même un droit qui. Voilà, si on compare au reste du monde, à part sur la question des où on est sur une moyenne un peu basse, il y a des pays qui sont un peu au-dessus. Bon, disons qu'on n'est pas si mal, on peut avorter en France. Mais justement, c'est au moment où on a un consensus si fort, à la fois dans la société, mais aussi dans les institutions et officiellement au sein des partis politiques, c'est à ce moment-là qu'il faut préserver ce droit et l'inscrire dans la Constitution au cas où plus tard il soit menacé. Parce que quand on me dit, oui, mais écoutez, là, aucun parti politique fait campagne sur revenir sur le droit à l'IVG. Oui, très bien. Et en fait, le jour où ce sera le cas, ça veut dire le jour où on aura un nombre de parlementaires non négligeable qui seraient tentés de revenir sur le droit à l'IVG, que ce soit, c'est pas l'interdire du jour au lendemain, ça se fait jamais comme ça. On n'a jamais vu un pays qui est à un niveau d'accès à ce droit comme la France, et puis le lendemain, c'est totalement illégal. Non, il est grignoté ce droit à chaque fois. On baisse les délais. On dérembourse, on rend les conditions d'accès plus difficiles, etc. Si on arrivait à une situation en France où on avait des députés, des sénateurs, des sénatrices qui seraient tentés de faire ça, évidemment que la majorité pour l'inscrire dans la Constitution, elle serait inaccessible. Parce que par définition, la raison pour laquelle on veut l'inscrire dans la Constitution, c'est qu'il faut une majorité plus forte pour l'inscrire dans la Constitution que pour changer la loi, ce qui fait que c'est une meilleure protection. Donc c'est au moment où on a une majorité forte dans la société et dans les institutions qu'on peut le protéger. Parce qu'après, c'est trop tard, c'est fini. Donc voilà, c'est le bon moment de le faire et c'est effectivement une responsabilité qu'on prend pour l'avenir. J'espère que ce sera jamais menacé. Formidable. Bah, si c'est jamais menacé, on aura passé 2 heures de notre temps à voter un truc magnifique qui nous aura protégés contre un danger qui n'arrivera pas. Franchement, il y a plus grave dans la vie. Mais la dernière chose, et c'est un argument que Mathilde Panot utilise souvent, je trouve que c'est un très bon argument. Elle dit souvent, en fait, les seules personnes qui nous disent que le droit à l'IVG n'est pas menacé, c'est celles et ceux qui refusent de le mettre dans la Constitution. Et c'est celles et ceux qui ont toujours, en fait, parce que c'est la droite qui nous dit ça, la droite a voté en 74, et même pas toute la droite, une partie de la droite a accepté de voter la loi Veil,
une partie ne l'a pas voté. Et depuis, ils ont systématiquement voté contre toutes les avancées, contre l'allongement des délais, contre la suppression de la clause de détresse, contre le délit d'entrave, contre le remboursement par la sécurité sociale. Et donc, en fait, bah, comment faire confiance à des gens qui ont toujours voté contre tous les acquis et qui nous disent aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a voté contre il y a 3 mois. Il y a 3 mois, ils ont voté contre l'allongement des délais et ils nous disent aujourd'hui, ouais, mais vous inquiétez pas, on va pas revenir dessus. Bon, voilà, disons qu'il y a de quoi se dire, si un jour il y a une majorité conservatrice dure en France, ce serait beaucoup mieux que ça ait été protégé dans la Constitution. Et quand on parle aux Polonaises, aux Hongroises aujourd'hui, elles nous disent, bah, qu'est-ce qu'on aurait dû le faire quand il était temps? Oui, et puis en plus, quand on dit oui, c'est pas menacé, mais en fait, ça l'est déjà, sachant que la clause de conscience est toujours présente, il me semble, en France, la clause de Oui. conscience des médecins qui, à ce jour, ont le droit de refuser de pratiquer une IVG tant qu'ils informent les patients voilà, et qu'ils leur proposent un autre prestataire. Est-ce que donc, si on peut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, est-ce que cette clause-là de conscience des médecins deviendrait inconstitutionnelle? Ou alors elle n'existerait plus, ou voilà, quel Non, est en fait, l'avenir de le cette clause-là? ouais, alors ce qu'on recherche par l'introduction dans la Constitution, c'est protéger l'acquis qu'on a aujourd'hui. C'est empêcher qu'une loi future qui viendrait régresser par rapport à l'existant soit constitutionnelle. Ça n'imposerait pas. Alors après, bien sûr, il faudrait qu'il y ait sans doute voilà, des cas devant le Conseil constitutionnel et de la jurisprudence. Mais a priori, ça n'imposerait pas au législateur de revenir sur la clause de conscience. Tout dépend ensuite de comment on va stabiliser le texte, parce qu'aujourd'hui, moi, il y avait eu la loi qu'on avait déposée au Sénat, qui n'a pas été adoptée, puis il y a eu la loi qui a été... Bon, puis ils ont repris cette formulation à l'Assemblée nationale, mais elle a été modifiée en séance et une autre formulation. À la fin, je ne sais pas quelle sera exactement la formulation, et c'est important, hein, comment ce sera écrit exactement. Mais l'idée n'est pas nécessairement de modifier ça, l'idée est de protéger contre des recul. Après, sur la question, et tu as raison d'aborder la question, la double clause de conscience qu'on a en réalité en une clause de conscience qui s'applique aux médecins en général, et ça fait partie des éléments de blocage de l'accès au droit, et c'est vrai qu'en tout cas, personnellement, je suis pour qu'on revienne dessus, et même, je vais plus loin que de vouloir revenir sur la double clause de conscience, moi je serais favorable à un système comme en Suède, où en fait, bah, quand on décide de devenir médecin, eh bien, on accepte, par définition, qu'on puisse avoir la nécessité de faire des avortements et on accepte que ça fait partie de son boulot. Sinon, on fait autre chose. Il y a plein de choses dans la vie à faire, mais je pense que donner accès à l'IVG, qui est un droit fondamental, et je pense qu'on ne peut pas mettre au même niveau le droit d'un médecin d'exercer ou pas un acte et le droit d'une personne qui a besoin d'avoir accès à l'IVG parce que c'est un droit fondamental et ce n'est pas la volonté du médecin qui s'exerce. Quand l'IVG est faite, c'est la volonté de la personne qui interrompt sa grossesse. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton expertise sur tous ces sujets-là qui sont, enfin, qui nous touchent toutes et tous, parce qu'en fait, c'est une société plus égalitaire vers laquelle nous essayons de tendre et elle sera effective que lorsque la moitié de la population pourra aussi voilà, posséder réellement son corps. Et Et sa vie. dernière chose, et sa vie, voilà, exactement. Donc, merci beaucoup pour le combat que tu mènes depuis plusieurs années. Et alors, la dernière chose, qu'on s'est posé la question avec les membres de l'équipe, comment on peut contribuer, nous, en tant que Français et Françaises de l'étranger? Donc, on avait pensé à envoyer des mails aux sénateurs et sénatrices qui se sont abstenus la dernière fois, à contacter nos 11 sénateurs des Français et de l'étranger, sénatrices des Français et de l'étranger, mener une campagne en ligne. Est-ce qu'il y a peut-être en un ou deux points, une chose qu'on pourrait faire pour t'aider dans ce long combat qui, voilà, est semé d'embûches. Oui, la réponse est oui. Alors, vous savez que on a la dernière fois au Sénat, le vote, certes, on l'a perdu. Je ne vais pas dire que je suis heureuse de l'avoir perdu, mais on n'était pas si loin. C'était quand même assez serré. Il y avait 33 voix d'écart, ce qui veut dire qu'il y a 17 élus
qui, si ils changent leur vote, peuvent permettre que la loi soit adoptée. Donc, c'est pas beaucoup, c'est accessible. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Effectivement, moi, je pense que s'adresser aux sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger qui ont voté contre, c'est quelque chose de très important parce que, tu l'as dit, bon, on est 12, bon, il y en a, tous ceux de gauche ont évidemment voté pour, y compris le groupe de Renaissance, mais, et Olivier Cadic aussi, mais les autres, ceux des Républicains, il faut qu'ils ressentent, en fait, il faut qu'ils ressentent cette pression venue de leurs électeurs. Et toutes les actions qui peuvent participer à visibiliser, et je pense qu'en tant que, surtout dans votre circo, où il faut qu'ils se rendent compte, il y a des femmes, des Françaises, qui vivent en Pologne, qui vivent en Hongrie, qui sont dans des situations où l'accès à leurs droits fondamentaux n'est pas garanti et qui ont besoin de cet élan-là. Et je crois qu'il faut, voilà, il faut publiciser ça pour qu'ils se sentent responsables et qu'ils prennent la mesure du moment historique que sera leur vote. En tout cas, je pense qu'on pourra aussi rester en contact, enfin, à l'avenir Ouais. pour voilà, que tu nous dises vraiment comment nous, on peut te soutenir au niveau local et peut-être au niveau des conseillers et conseillères consulaires aussi. Je pense notamment à Mathilde Olivier, voilà, qui soutient bien sûr aussi ton combat. Bien écoute, merci beaucoup, Ouais. Mélanie, pour ton intervention. C'est voilà, toujours très inspirant de t'avoir à nos côtés et de Merci. voir que voilà, on est représentés en tant que femme, en tant que femme jeune. Et merci parce que il faut du courage. Donc bonne soirée à toi et Merci à merci encore. toi, merci Salut. à vous. À plus, salut.